Voilà, alors nous arrivons un peu au bout de notre visite, même si elle est infinie. Vous n'avez pas vu le dixième de ce qui est présenté dans ce musée, mais il faudra revenir, on fera peut-être d'autres émissions, enfin voilà. Et en tout cas, je tenais à vous présenter cette dernière vitrine, parce que c'est, allez, on va présenter ça comme un feu d'artifice minéral. Là, on n'est pas dans la classification, on est dans une accumulation de très très belles pièces. Moi, j'ai tendance à présenter cette vitrine comme le tour du monde en 5 secondes. C'est mieux que Jules Verne, hein. Pourquoi? Bah, c'est tout simplement parce qu'il suffit de lire les étiquettes. Vous pourrez aller vous promener au Japon, à Madagascar, en Italie, au Pérou, en Chine, au Pakistan, en Inde, au Kazakhstan, en Australie. Vraiment, c'est encore une fois, un feu d'artifice minéral qui vient de tous les pays avec des pièces plus belles les unes que les autres. Que d'ailleurs on prête pour des expositions assez souvent. Vous avez d'ailleurs une petite étiquette là, on va faire une petite page de pub pour Pierres précieuses, une exposition temporaire qui a lieu au Muséum d'histoire naturelle à Paris, une somptueuse présentation. Et donc, bah, voyez, là on a mis l'étiquette parce que les pierres qui étaient présentes dans cette vitrine, les minéraux qui étaient présents dans cette vitrine, ont été là-bas pour être présentés. Ils font partie des plus beaux échantillons au monde et c'est bien ainsi de pouvoir le faire partager au sein de l'école, mais aussi à travers des expositions qui parcourent le monde. On a quelques pièces qui sont comme ça allées à Dubaï, à Hong Kong et ailleurs encore. Donc voilà, fantaisie minérale. Avec une diversité de couleurs, de formes, de textures. En gros, une invitation au voyage. Voilà. Venez plus souvent voyager au musée de l'École des Mines. Vous verrez encore plein d'autres comment belles pièces. Et puis, on vous racontera encore plein d'autres histoires. Et merci pour cette visite. Et à très bientôt à tout le monde.